Dans cette vidéo, nous allons voir comment avoir son canapé à la maison plutôt que le canapé de vos chiens. Bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marchal, l'expert canin ici au Centre Canin et du Dog. La méthode est géniale. Ah super, éduque dog, l'éduquer, c'est l'aimer. Bienvenue sur la chaîne YouTube Éduque Dog pour comprendre mon comportement, réussir mon éducation et choisir sa formation en ligne. C'est beau ça, l'antenne, c'est bien les doudous. On va se mettre sur le canapé. Dans cette vidéo, nous allons voir comment avoir son canapé à la maison plutôt que le canapé de vos chiens et de pouvoir potentiellement regarder la... Les gars, on n'a pas de télé. Le fauteuil. Allez, go ! Donc, comment il est possible d'apprendre correctement le canapé pour les personnes qui veulent avoir un chien sur le canapé ? Drogon, canapé. Hop ! Eh bien, eh bien. Ça dépendra bien sûr des goûts de chacun, puisque ce n'est pas tout le monde qui veut avoir un chien sur le canapé. Donc, je vous invite, si vous ne voulez pas... Drogon, hop ! Hop, canapé. Hop. Allez, viens. Voilà, si tu veux. C'est très bien. Viens. Voilà. On se couche. Ce n'est pas tout le monde qui veut avoir un chien sur le canapé. Donc ça, ce sera vos préférences personnelles. Cependant, il y a des règles à mettre en place concernant le canapé. Si, premièrement, vous ne voulez pas d'Aska, tu viens ma puce. Eh bien, si vous ne voulez pas que votre chien monte sur le canapé, c'est très simple, il suffira de lui en interdire. Hop, hop, allez, monte. De ne pas le faire monter. Et surtout que tous les membres de son éducation appliquent les mêmes règles. En effet, si vous êtes un couple et que l'un ne veut pas et que l'autre veut, ça va créer une incohérence dans la tête de votre chien. Donc, un coup, il saura et il va savoir qu'il peut monter. Un coup, il ne montera pas. Donc, c'est un petit peu difficile. Dans un deuxième temps, c'est pareil si vous êtes une famille, que les parents ne veulent pas et que les enfants le font. C'est pareil, ça créera une incohérence. Si votre chien ne monte pas sur le canapé, c'est très simple. Nous allons voir ensemble comment réellement lui apprendre les bons comportements à avoir concernant le canapé. Allez, go ! Donc, c'est très simple. Pour le canapé, nous allons voir ensemble, en direct live, comment l'apprendre à ton chien. Premièrement, ton chien ne devra pas y monter de son propre chef et de lui-même. Pourquoi ? Parce que... j'aime beaucoup demander à mes clients pour savoir si c'est vous qui vivez chez votre chien ou si c'est votre chien qui vit chez vous. En effet, il y a une notion de roi et de reine chez les chiens et une notion de royaume. Est-ce que c'est vous qui êtes le roi et la reine sur le royaume ? Alors, c'est votre trône et ce trône vous appartient. Ou alors, c'est votre chien, le roi, et son trône lui appartient et également le royaume. Si tu veux en savoir un peu plus sur la notion de roi, reine et le royaume, j'ai fait une formation spéciale pour reprendre le contrôle sur ton quotidien, mais surtout à la maison. Comme tu le sais, l'éducation de ton chien commence d'abord à la maison, elle commence d'abord chez toi. Et si tu n'appliques pas les 10 commandements canins, ton chien ne sera jamais réellement obéissant et tu ne comprendras pas ce mode d'emploi. Je t'invite donc à cliquer sur le lien sous la vidéo si tu veux découvrir une formation exclusive que j'ai fait qui te permettra d'apprendre réellement la base de l'éducation que tous les maîtres doivent connaître et mettre en application à la maison. Pour apprendre le canapé à ton chien, ce n'est pas parce que je monte et que je m'installe dans mon canapé que mon chien doit forcément y venir. Je dois, dans un premier temps, apprendre à mon chien que c'est mon canapé et que s'il veut venir tenter d'y monter, je vais simplement le repousser. Je vais imager cet exemple avec Drogon. Drogon, tu viens ? Allez, viens ! Allez, feignasse ! Admettons que Drogon tente d'y monter, je vais faire exprès de l'inciter. Là. Admettons que mon chien tente d'y monter alors que je regarde la lampe. Drogon, non, tu files. Mais simplement demander à mon chien de partir, utiliser un geste, Drogon au panier.
et l'envoyer directement à son panier. Alors pour Drogon, son panier, c'est simplement le tapis. Donc je vais l'envoyer simplement à son panier. L'intérêt, lui faire comprendre que son trône à lui, ce n'est pas le canapé, mais c'est bien son panier. Une fois que votre chien est allé au panier, si votre chien ne se prête pas à l'exercice, vous vous levez et vous l'accompagnez jusqu'au panier. Une fois que votre chien est au panier, à ce moment-là, vous allez lui inviter. Drogon, allez viens. Ouais, allez Doudou. Drogon, allez hop. Hop, 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 hop. Oui, hop. Monte. Voilà. À ce moment-là, votre chien pourra monter sur le canapé. Drogon adore mordiller les coussins du canapé. Tu montes? Bien. Canapé. Allez, feignasse. Oui. À ce moment-là, votre chien pourra simplement rester sur le canapé pendant que vous vous occupez, pendant que vous passez un bon moment. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça dépend des goûts et des couleurs. Vous pouvez, mais n'oubliez pas qu'il faut appliquer correctement le mode d'emploi. Si le mode d'emploi n'est pas correctement appliqué, votre chien ne vous obéira pas toujours. Il n'en fera qu'à sa tête et ça deviendra contraignant pour vous de le promener ou d'avoir même des invités à la maison.